depuis le 10 septembre, l'ancien roi a rejoint nos ancêtres. Très tôt le matin, nous allons choisir celui qui va présider la destinée de notre cher royaume. La mission est de superviser la désignation d'un nouveau roi. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une première dans l'histoire de Kobe. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de votre émission Mon patrimoine, ma richesse. L'association Mébironto s'est rendue à 73 km à vol d'oiseau au nord-est de la ville de Cotonou, dans le département du Plateau et plus exactement à Pauvay. Il y a environ 125 000 habitants à la suite de vagues migratoires successives qui ont débuté au XVIIe siècle. En effet, au XIXe siècle, des fonds d'Adja qui fuyaient les razzias d'Abomey s'y sont installés et plus récemment, des Mahi, des Gonds de Porto Novo, des Adja du Koufo-Mono s'y sont également installés. Alors, l'association Mébironto s'est donc rendue il y a un an à Pauvay pour immortaliser la cérémonie de couronnement du nouveau roi, Oba Ade Kiwo Otebole. Cérémonie de couronnement qui s'est déroulée 6 mois après la cérémonie d'intronisation, 6 mois durant lesquels le roi a participé à des rituels ancestraux qui l'ont préparé à diriger et à veiller sur le peuple de Pauvay. Je vous laisse suivre cette cérémonie de couronnement dans l'élément qui va suivre et je vous retrouve ensuite pour la rubrique « Curiosité culturelle ».